La ville de Kasson-Olunda, le territoire de Kasson-Olunda, qui est enclavé. Parce que vous avez au sortir de Popokabaka les ponts de la Loya. Loya. Et en arrivant ici, c'est Nganga. Donc en fait, les gens de Kasson-Olunda ne peuvent pas espérer à une action de survie totale parce qu'ils sont vraiment réduits à leur propre expression et on dirait qu'il n'y a personne, ils n'ont personne. Et c'est vraiment un lieu où le gouvernement doit agir pour désenclaver cette ville, ça ne peut pas rester comme ça. Hein? C'est en termes de millions de personnes, d'une population qui est entièrement bloquée. On ne sait rien faire. Vous imaginez, monseigneur, un moment on a distribué même des ambulances dans la province. Oui. Il y a peut-être des endroits qui ont eu des ambulances Land Cruiser. Mais ici on a envoyé des ambulances moto. Pour l'hôpital général. Oui, c'est clair. Une ambulance moto qui devait prendre des routes comme celle-ci. Mais ailleurs, on a donné même deux ambulances. Seigneur, pour enrichir le propos du Père Recteur, le pont ici et la route a un intérêt à la fois économique et sécuritaire. Économique parce qu'il relie la ville de Kasson-Olunda avec la ville de Tembo, donc le long du fleuve. Et nous avons de grandes agglomérations là, et l'exploitation du diamant et tout le reste. Et ça a un intérêt pastoral parce que nous avons beaucoup de communautés chrétiennes, des CVB, de l'autre, le long du fleuve, tout comme sur l'axe Kasson-Olunda-Kingunda. Et l'intérêt sécuritaire, c'est que nous sommes à 12 km de l'Angola. Le Paul de Kasson-Olunda, depuis le 17 septembre 1979, dans laquelle nous prions chaque jour, sauf les dimanches, que nous nous rassemblons. Il est à vous signaler que la majorité des chrétiens de notre CVB, Ndakimwena, sont des vieux et des paysans. Pour cette raison, le peu de recettes que nous percevons pour l'offrande hebdomadaire, dont une partie sert à supporter les nécessiteux, ne nous permettent pas d'équiper notre chapelle en bas et chaises, ni de les entretenir. Afin de changer le visage de nos CVB qui sont là-bas, Ndakimwena. Fait à Kasson-Olunda le 7 septembre 2020, le président de CVB, Anaklemboya Mutibango. Je vous remercie. Bon, mais je vous remercie aussi. Hein. Le peuple n'a plus besoin de promesses. Hein. Nous, notre rôle, prêcher l'évangile d'abord. Et puis, l'évangile, on ne peut pas le prêcher à ceux qui ont faim. Il faut leur donner à manger. Nous sommes les partenaires de l'État congolais. Et donc, dans notre partenariat, on se bat pour apporter ce que nous pouvons apporter et finalement que ça serve à la population de manière directe. Nous avons des projets que nous pouvons entreprendre, nous l'Église, sans nécessairement chercher l'appui de l'État, c'est-à-dire chacun d'entre nous, mais aussi il y a des projets qui demandent l'appui de l'État. C'est comme j'ai dit à l'Église hier, je prendrai un temps pour rester avec vous tout un mois ici et voir concrètement comment on peut résoudre certaines difficultés et comment pousser la population à se prendre elle-même en charge. Parce qu'on a beaucoup attendu et il n'y a rien qui se fait. Je crois que c'est une erreur de continuer à attendre que l'autre vous donne quand vous-même vous pouvez faire. Voilà donc, ce n'est pas pour des promesses. On se voit au mois de novembre, moitié novembre, moitié décembre. Et à ce moment-là, on aura le temps de faire des choses concrètes et parler des choses concrètes. Et ne pas continuer à attendre que ça tombe du ciel. Beaucoup de choses, nous pouvons les faire avec nos mains, nous-mêmes. Ça va? Nous allons maintenant aller voir les ponts de territoire de Popokabaka et de Kasson-Olunda
à ce point-là. Hein? Une partie de mon histoire qui est. Et ce pont-là ne peut pas rester comme ça. Pelende, je veux aller voir Kitenda, mais je peux nous pouvons faire ensemble avec les gens. Et puis, le reste, je veux faire de vous à la télévision. Merci. Je vais pas parler. Traverser le pont. Et par ici, la route s'est abîmée comment? Par manque de fréquentation? Par érosion. La population qui nous donne le pouvoir, hein, le pouvoir qu'il soit politique, qu'il soit religieux, parce que s'il n'y a pas de population ici, le pape n'enverra pas un évêque, n'enverra pas un prêtre. Vous comprenez? Et donc, il faut pas seulement se légitimer dans ce pouvoir-là, mais se légitimer à partir de la population et du bien-être qui est son droit. Et dans ce cas-là, tout un chef-lieu de territoire pratiquement entrecoupé, et ça ne peut pas être une indifférence.
ça doit être une nécessité de faire quelque chose. Alors donc, honorable est là, c'est son terroir électoral. Moi je suis là, je représente tous les pauvres de Yahweh qui pleurnichent au fond de leur cœur, parce qu'il n'y a personne pour les écouter. Et c'est ensemble à mettre, à donner de la force à notre partenariat entre l'État et l'Église pour qu'on trouve rapidement des solutions à des choses pareilles. Hein? Voilà, c'est la rivière Nganga, c'est l'avenue Nganga de la ville de Bandundu. Ceux qui vont voir les images peuvent voir, hein, c'est où cette rivière Nganga. Je viens de la toucher en leur nom, mais je le fais avec beaucoup de plaintes. Autant l'avenue Nganga à Bandundu-Ville est large, propre, autant je me plains de voir qu'ici, le pont est cassé et la rivière est laissée dans l'indifférence. Nous allons remuer ciel et terre sans blesser la conscience de quelqu'un, dans le respect le plus total, pour que nous arrivions à réparer ces ponts ici le plus vite possible. Je vous remercie. Pour aller rejoindre la route, Monsieur Boloké, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais quand même qu'on garde une minute de silence en mémoire de cet homme-là qui a fait quand même une œuvre grandiose pour la cité en désenclavant la route vers Kingoum. Il est mort en voulant désenclaver, il est mort dans la Nganga. Oh, oui. Il est tombé de noyade. Et on l'a trouvé dedans, sans vie. Monseigneur, pour enrichir le propos du père recteur, le pont ici et la route a un intérêt à la fois économique et sécuritaire. Économique parce qu'il relie la ville de Kasongolunda avec la ville de Tembo, donc le long du fleuve, et nous avons des grandes agglomérations là, et l'exploitation du diamant et tout le reste, et ça a un intérêt pastoral parce que nous avons beaucoup de communautés chrétiennes, des CBB de l'autre, le long du fleuve, tout comme sur l'axe Kasongolunda-Kingunda. Et l'intérêt sécuritaire, c'est que nous sommes à 12 km de l'Angola, donc du port d'Iboulou, par où les Portugais à l'époque traversaient donc les Ibuangi, dont la grande famille de Métis, de Kasongolunda, les Bouangila. Et donc vous comprenez qu'à 12 km de l'Angola, si la ville de Kasongolunda n'est pas reliée, pour une raison ou une autre, donc on peut être très embêté lorsqu'il s'agit de résoudre un problème, d'aller arrêter une hémorragie par là, ou de barrer ou de contrecarrer une action séditieuse. Et donc, soit pour dépêcher la police ou les éléments de l'armée, on a intérêt que cette route soit praticable avec un pont. N'est-ce pas? Parce qu'on peut faire traverser des camions avec des matériaux de tout genre, tout comme aussi les gens peuvent traverser. Et l'autre aspect de l'intérêt économique, c'est que beaucoup de mamans, c'est qu'à ce moment-là, de la partie ici de la ville, ont leur champ par ici, à 12, 15, 13 km. Je me rappelle que le jour où le pont s'est cassé, nous étions ici avec le père recteur et l'administrateur du territoire à l'époque, il y a des mamans qui n'ont pas pu traverser, qui ont logé de l'autre côté parce que le pont s'était cassé en 17h et 20h, mais il avait beaucoup plu avant. Et donc des mamans sont restées
prise en otage du fait qu'il ne pouvait plus traverser. Et le lendemain, pendant 3-4 jours, avant que le père recteur ne trouve une solution en mettant, n'est-ce pas, du bois ici et le châssis d'un camion. Donc pendant 3-4 jours, les mamans ne pouvaient pas traverser, aller au champ et de part et d'autre, avec ce que cela comme implication. Donc il y a des gens qui ont eu à manquer à manger. Donc pour plus d'une raison, vous comprenez qu'on a tout intérêt de faire diligence pour que ce pont et cette route soient entretenus. En fait, au total, c'est la ville de Kasongo-Lunda, le territoire de Kasongo-Lunda, qui est enclavé. Parce que vous avez au sortir de Popokabaka les ponts de la Loya. Loya. Et en arrivant ici, c'est Nganga. Donc en fait, les gens de Kasongo-Lunda ne peuvent pas espérer à une action de survie totale parce qu'ils sont vraiment réduits à leur propre expression et on dirait qu'il n'y a personne, ils n'ont personne. Et c'est vraiment un lieu où le gouvernement doit agir pour désenclaver cette ville, ça ne peut pas rester comme ça. Hein? C'est en termes de millions de personnes, d'une population qui est entièrement bloquée. On ne sait rien faire. Vous imaginez, Monseigneur, un moment on a distribué même des ambulances dans la province. Oui. Il y a peut-être des endroits qui ont eu des ambulances Land Cruiser. Mais ici on a envoyé des ambulances moto. Pour l'hôpital général. Oui, c'est clair. Une ambulance moto qui devait prendre des routes comme celle-ci. Mais ailleurs, on a donné même deux ambulances. Là, il y a beaucoup d'implications dans la situation dans laquelle se retrouve Kasongo-Lunda. C'est en fait le sens minimum de la citoyenneté. La citoyenneté ne correspond pas seulement à une personne, mais la citoyenneté contient en elle seule toujours et déjà plusieurs personnes. Qu'est-ce que l'autre vit? Qu'est-ce qu'il a mangé? Comment est-ce qu'on étudie à cet endroit-là? Les enfants sont-ils allés à l'école? Et celui qui gouverne et doit se poser ces questions-là. Et quand des choses comme ça émergent, ça signifie que maintenant, ça fait combien d'années que ce point est à cet état? C'est depuis 2015. C'est 5 ans. Voilà. Et ces 5 ans, c'est vraiment de quoi dire que la population de Kasongo-Lunda, tout un territoire déconsidéré. Et vous allez jusqu'à Tembo, vous entrez dans le territoire de Féchi, donc encore déconsidéré. Donc on est à l'étroit, on ne sait rien faire. Et moi je lance un appel palpitant au chef de l'exécutif du gouvernement congolais, au président de la République, qu'il y a ici des gens qui croient en lui comme président, mais qui sont vraiment bafoués dans leur plus simple expression. Et nous demandons que ça ne soit pas une affaire de promesses, si lui-même est empêché de descendre ici, mais que son premier ministre descende et qu'il voit cette situation-là, les ponts de l'entrée cassés, les ponts de sortie cassés. Donc, même en moto, c'est impossible de passer. Ça devient maintenant, en fait, une question sociale sur laquelle on ne peut plus attendre, en plus du fait que 2020, ça va faire 5 ans. Hein, dans une république qui est gouvernée, nous avons le respect, beaucoup de joie d'avoir des gens qui nous gouvernent, mais nous voulons aussi, quand on est en difficulté, voir leurs mains directes. C'est là que je mets le dernier point et voilà. Excellence, je voulais saisir cette opportunité pour vous dire que dans une de ces allocutions, le président de la République avait bien dit que parmi les territoires les plus pauvres de la République, il y avait Kasongo-Lunda. Ça, c'est lui qui dit. Et malheureusement, nous ne sentons pas qu'on accorde une attention particulière à toutes ces paroles-là. Et nous, dans notre accompagnement, ce que nous faisons, le pont, ce n'est pas le député lui-même qui va sortir l'argent pour qu'on monte, qu'on jette un pont sur cette rivière. C'est le gouvernement. Et des plaidoyers, nous le faisons de temps en temps. Et nous-mêmes, pour accompagner,
c'est le petit outillage de maintien que nous apportons à nos populations. Nous l'avons beaucoup fait sur ce tronçon, Nzaki Mouena, mais malheureusement, avec les eaux de pluie, tout est emporté. Et on ne se fatigue pas. C'est pourquoi, sur l'autre axe, donc j'avais dit l'axe Mahonga, donc là où vous êtes entré, jusqu'à 45 km, nous entretenons. Parce que nous avons donné du matériel et les cantonais travaillent. Et avec le péage qu'on a à Mahonga, on peut rémunérer tant soit peu les cantonniers. Mais sur l'autre axe, pour sortir de Kasongo-Luna, là-bas les véhicules ne peuvent pas passer. Et parce que justement les routes n'est pas entretenu. C'est pourquoi dans nos efforts personnels pour essayer de soulager, nous avons convenu avec le recteur ici et le représentant légal de la CECA qui est là. Moi j'ai pensé leur remettre cet outil là, c'est un échantillon. Je leur ai apporté des PAU pour qu'ils fassent. Ils sont déjà dans une association justement pour que ce travail puisse aller de l'avant et qu'on en désenclave l'autre sortie de Kasongo-Luna. Voilà, c'est le peu que nous pouvons faire. Mais les sacs, on les a, il y en a, c'est un échantillon toujours, les sacs qu'on a apportés. Mais le travail de route, ce n'est pas le député. Nous faisons un plaidoyer. Parce que papa, nos populations ne comprennent pas, mais nous faisons un plaidoyer. Ce que nous faisons, c'est le minimum qu'on puisse faire pour les accompagner. Le plaidoyer, c'est au niveau du gouvernement et nous le faisons. Nous espérons que les jours à venir, et surtout avec l'impulsion que vous prenez dans notre diocèse, vous venez d'arriver, mais déjà en deux jours, par votre message qui a captivé tout le monde, nous sentons que les changements sont en train d'arriver. Et nous vous encourageons pour ça, et croire toute la population par l'accueil qu'on vous a réservé, c'est déjà une expression pour vous dire que nous vous accompagnons. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci pour le gouvernement central. Mais il y a aussi une province et il y a un gouverneur, un gouvernement provincial. Je ne sais pas si dans leurs attributions, la province n'a pas une responsabilité dans l'entretien de routes à des certains agricoles. Et ça, moi, je pense que Monseigneur, au lieu d'abord de commencer par voir la nation, parce qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de la nation, est-ce qu'on ne peut pas d'abord commencer à voir les amis au niveau de la province, voir le gouverneur, son gouvernement, essayer de voir comment est-ce qu'ils ont planifié pour désenclaver la province, parce qu'il y a des routes qui sont au niveau de la province et il y a des routes qui sont au niveau de la nation. Et moi, je pense que sur ça, quand Dieu vous permettra d'avoir le temps de voir le gouverneur, essayez un peu de discuter avec eux, parce que nous, on a toujours tenté d'échanger avec eux. Apparemment, on vous dit ici, on a trop de problèmes. Jusque là, le gouvernement central ne nous rétrocède rien et nous n'avons rien. Et cette façon de voir les choses, qu'on ne reçoit rien et qu'on n'a rien, ce n'est pas vraiment un langage responsable d'une autorité qui a accepté une responsabilité. Parce qu'une responsabilité s'assume. On ne se plaint pas quand on a déjà une responsabilité. Et ce qui est encore très grave, depuis que tous les gouverneurs défilent à la tête de cette province, aucun gouverneur n'a eu la peine de sillonner. Que vous vous donnez. De sillonner cette province pour connaître les réalités de la province. Et c'est quand même étonnant. On entre gouverneur et on sort gouverneur sans connaître le territoire que la province devrait gérer. Et ça, c'est très très sérieux. Moi, je crois des initiatives pareilles, nous les acceptons, nous les louons, mais je pense que seul, il ne saura pas prendre ses poids. Il y a des gens qui ont accepté d'être appelés des gouverneurs, députés provinciaux, ministres. Ils doivent s'impliquer, ils doivent jouer leur rôle. Sinon alors, c'est autre chose. On ne saura pas vraiment tolérer, accepter des choses pareilles.
Merci, mon Seigneur. On peut continuer, j'ai trouvé une deuxième chose. Non, on peut le. Il y a un livre qui vient.
dernière minute, on était tellement pressé par. On était déjà signé. Mais ce n'est que parce qu'il remise. Et venir travailler chez eux, voir comment est-ce que leur population trime dans la misère, et l'habitant abandonné totalement. Ça, ça ne peut pas se faire. Ce silence-là a droit que quelqu'un se fasse le sacrifice de parler pour elle. Et là, ces images ici vont passer et repasser. C'est un dossier qui avait été constitué à l'époque, là, en 2015. Par l'administrateur du territoire à l'époque. Elle est allée avec à Kengue. Et il y avait, c'était l'époque de ces désastres-là, qui frisaient en fait la catastrophe naturelle. Or, dans, là où les gens sont sensibles, quand il y a un état de oui, catastrophe. Mais ça, ça mérite oui, des urgences. Ça mérite des urgences alors. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là hein? Je vous n'aimerais pas trop. Cassons-nous. Entrez déjà, je vous en parle.